créer une machine comme ça. Parce que là, c'est quoi, t'as imprimé... J'ai pas de mérite, je suis tombée dans la marmite. Là, t'as imprimé une pièce... Sinon, je garde 3 jours. Des navettes, D'une des navettes. Et ça, c'est des pièces que normalement, vous faites... Qu'on ne fait pas, non. Je veux dire, c'est ce qui fait partie du métier. Ouais. Et j'ai envie de dire, la navette, c'est une des pièces maîtresses pour la réalisation, justement, du ruban. Ouais. Sans trame, on n'a pas de ruban. Alors toi, tu l'as imprimé en 3D? Voilà, j'ai fait une copie de la pièce. D'accord. Et ce serait utilisable, une pièce comme ça, sur une des machines? Ça demande encore pas mal de travail. C'est quoi le problème? C'est la solidité? Le problème? C'est que... je suis sûre que ça peut se faire. Il faudrait faire une perforation pour mettre justement les petits ressorts, pour installer les petits ressorts qui sont ici. D'accord. Techniquement, on appelle ça des bouillous. Ouais. Donc ça, c'est... Si on veut tisser, il faut que tout soit tendu. Tant au niveau... des fils de chaîne que justement sur la trame. Mais déjà réaliser ça, c'est vraiment géant et fabuleux, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien entendu, mais ça c'est fabuleux.